enfant de Marianne. Un nom, Marianne. Mon Dieu, l'asticot. Comme je disais tantôt, l'asticot, il en reste beaucoup, beaucoup, beaucoup après. Okay. Un autre beau poisson. Prendre une petite photo en même temps. Un peu à date qu'est-ce qui a été pris. Beaucoup de belles. Là j'en vois un peu dans le fond. On dirait que ça veut recommencer à mordre. Fait que je vais placer la caméra. On va aller tenter le diable. Je me préparais justement à mettre une petite ligne avec un mêlé. Oh, il y en a une qui monte. On dirait qu'elle a tendance à vouloir être plus active. Tendance à vouloir être plus active. Ça doit être une marigane, ça aussi, parce qu'elle a mordu en montant. Eh oui. Un autre beau poisson. Un autre black crappie. Là, il y en a beaucoup dans le sonore. Présentement, j'en vois énormément. Fait que on dirait qu'elle a décidé de revenir active. Donc, je redescends mon leurre présentement. Encore resté en suspension présentement dans environ 13 pieds d'eau. Je suis toujours dans du 15 pieds de profondeur ici, le fond. Par contre, la marigane est toujours un petit peu en suspension. Il y en a une qui monte sur mon leurre, elle va monter à mort là. On remet ça à l'eau. Le poisson qui est grégaire, hein, la marigane, donc elle se tient beaucoup en banc. Fait que quand ils sont là, quand ils sont présents, ils sont pas seuls. Contrairement à la truite. Là, j'en vois encore beaucoup en suspension. Là, je vois. Elle est très active. Elle remonte tout de suite. Là, il y en a une qui l'attaque. Là. Oups, elle est redescendue. On va essayer de dandiner ça. On va voir s'il y en a une qui monte dessus. Il y en a une qui monte. On va l'attaquer bientôt dans 3, 2, 1. J'ai essayé de faire un décompte, mais ça n'a pas marché. Ouais, oh, elle vient de... C'est le fun quand tu es actif comme ça. On peut la voir là, monter sur l'air là. Une qui monte. Elle monte sur l'air là bientôt. Et voilà. Yep. Thank you.
Oh, il y en a une qui monte. Il a recommencé à faire comme il faisait tantôt. Il monte sur l'heure, mais il décide de ne pas gober. Des grands mouvements, des fois, ça peut aider aussi. C'est comme une petite proie qui descend, là, sous leurs yeux, qui décide de s'échapper aussi, là, on la voit à la présence. On va essayer encore. Il y en a une qui monte sur l'air. On ne l'a pas pris. On va juste la monter un petit peu. Voir si elle est active. Il y en a une qui monte en tout cas. Façon plus agressive. Des petits soubresauts. On va exciter un petit peu le poisson. Bon, je reviens tantôt.